Wali walou. On est le mardi 14 juillet de l'année 2020. Il est 20h20, je ne sais pas. Et on écoute un peu de François Ruffin. François Ruffin, le seul député de ses 5500 balles, plus 1500 balles IRFM, il prend qu'un SMIC, le gars. Donc pour dire, c'est un exemple, bon, il a regretté par la suite. Donc je passe un coucou à Philippe Pascot. Il y a une vidéo dans laquelle Philippe, il dit que même Méluche, il s'est payé son studio de campagne avec les 8000 balles d'IRFM. Hein, l'IRFM, c'est l'indemnité de remboursement des frais de mission. Donc ça sert pas à ça. Et Philippe, à un moment, tu dis que même toi, si on te faisait ça, bah, tu serais de suite, tu devrais rembourser, tu devrais rendre la maison. Donc le Mélenchon, le Méluche, là, t'es pas un exemple. Hein, tout comme Marine Le Pen qui embauche son garde du corps, donc c'est un emploi fictif, c'est un garde, le garde du corps de Marine Le Pen est payé par, comme elle est députée européenne, par l'Europe, donc par nous, et donc elle est déclarée comme, je crois, son secrétaire, c'est fantastique. Donc on a des Fillons avec la Pénélope, on a, ça ne s'invente pas. François, allons enfants. Allons enfants, allons enfants, de mon pays, de mon pays, le chaud espoir est arrivé. Ouvre nous deux, toi nous deux, la tyrannie, la tyrannie, ta peuple doit se lever. Allons enfants, allons enfants, de mon pays, de mon pays, le chaud espoir est arrivé. Ouvre nous deux. Alors je passe aussi un coucou à tous mes potos musiciens. Les trialeux, on les oublie parce que je tombe systématiquement sur les messageries. Quand je vous appelle, les trialeux, c'est pas pour vous demander du pognon, j'ai très bien que je suis pas compté sur vous. Hein, donc je peux papoter un peu, il a plié du beau temps parce que, bah, effectivement, j'ai des creux. Je bosse 14 heures par jour pour faire de l'Airbnb, pour essayer de m'en sortir. Et alors, surtout, je suis un artiste, mais alors un vrai de vrai. Parce que. Tout en haut, j'étais sous curatelle, il y a eu l'argent de l'héritage de ma maman, il n'y avait plus grand chose. Il y a déjà pas mal qui a disparu, hein, je ne dirais pas par qui, mais bon, ça a été dilapidé de façon très injuste d'ailleurs, parce que je pense à mon petit Pichou, mon petit Lulu, t'as eu que 2000 balles. Hein. T'as acheté les sapes que t'as revendues, t'es comme ton papa. À moitié du prix, et puis il te reste pas grand chose. À la base, elle t'avait mis ça de côté pour que tu fasses le permis de conduire. Vraiment, le permis de conduire, tu préfères te faire balader. Dans un sens, t'as pas tort. Hein. Voilà. On se fait assez balader par nos élites. Et alors, un bonjour à mon ami Paul Filzer, mon bon Popol, c'est Jean Lassalle qui t'appelle, qui te parle. C'est Jean Lassalle, député des Pyrénées orientales, là où il y a les chasseurs. Jean Lassalle, il roule bourré. Il a eu des problèmes pour récupérer ses points au permis. Il a fait rigoler toute l'Assemblée nationale. Jean Lassalle, même Emmanuel Macron, il a pouffé de rire. Comme c'est bon. Voilà. Donc, bon, tout le monde sait que. We are all selfish, ignorant and arrogant citizen. I am selfish, ignorant, arrogant citizen too. So like you, so like the trialist, so like the musicos, so like all the people in the world. And I just want to tell you that George Carlin said, and now they are coming for your social security money, folks. They want it back, so they can give it to the criminals' friends from Wall Street. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ne croyez pas un seul instant que, d'ailleurs il le dit, Emmanuel Macron,
socialiste, je ne suis pas un socialiste, ça n'a jamais été les socialistes, c'est un banquier. Les banquiers défendent les intérêts, non pas l'intérêt commun, mais défendent l'intérêt des criminal friends, des actionnaires, des frelons oisifs, comme les appelle Étienne Chouard, du CAC 40, et tous ceux qui sont en bas, ils sont surtout dans cette situation. 85% d'immatriculation en moins de voitures neuves. Imaginez ce que ça aura comme impact avec la dette publique de 2450 euros la seconde. C'est un chiffre phénoménal. Voilà, là, on va vraiment droit dans le mur. Donc, coucou à Étienne Chouard, l'autonomie en question, la vidéo sur la mutinerie qui date depuis quelques années, quand la première banque va craquer. Il faudra être prêt. Il faudra, et ceux qui habiteront la ville, ils n'auront plus rien à manger, ils vont bien dans les campagnes. Et alors là, comme le dit Étienne, il faudra être armé. En l'occurrence, je ne le suis pas. Je ne l'ai jamais. Si, je l'ai été une fois, j'avais un manu une fois. Et quand on m'a envoyé au Club Med, à 10 km de là, où j'ai rencontré des experts. Ah, les experts, oh, je vais pas nommer leur nom parce qu'ils m'ont attaqué en diffamation, ces experts. Mais bon, il y en a un qui s'appelle Michel, il y en a un autre qui s'appelle Michel Blum. Ah merde, j'ai dit son nom. Il y en a une qui est à Lingolsheim, une experte. Ah, il y a des experts. Top. Bon, je vais arrêter là. Bon 14 juillet, il est 20h30. Je crois pas qu'il y a la météo, mais à la fin, il y a toujours le débriefing. Il montre toujours quelque chose de positif, histoire de vous faire croire qu'on est dans un monde meilleur. Tout le monde sait que tout est pourri. Ça, tout le monde le sait. Il y en a qui le savent dans les détails. Et puis, il y en a qui... vous avez le droit de garder le silence. Mais que fait la police? Je dirai pas la suite. Très bon mardi à vous toutes et à tous. On n'oublie pas que demain c'est mercredi et que mercredi c'est la journée du canard.